Ambrose, c'était un match essentiellement tactique ce soir. C'est ce que le peu d'occasion, mais bon, vous avez tenu. Il y a ce 0-0 qui est quand même un point qui bonifie cette victoire à Amiens. Ouais, bien sûr, on a respecté les consignes du coach. On est resté compact durant tout le match. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu le match. On a pris quelques points. Donc après, on sort d'une victoire et le dernier match à la maison, on avait perdu. Ça redonne confiance à la maison. Donc je pense que voilà, c'est de bon augure pour nous de continuer à travailler et de penser que voilà, le prochain match, on va prendre les 3 points. Bon, c'est une équipe difficile à manœuvrer, qui a eu beaucoup de ballons aussi. Comment tu t'es senti toi sur ton couloir? Ouais, moi j'étais bien parce que voilà, c'est plus tactique et mental. Et je pense qu'il fallait bien défendre et on a tous bien défendu. Et après, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Donc, et puis nous aussi on défend bien, on joue sur les contres. Donc je pense qu'aujourd'hui on l'a bien fait. Et moi sur mon côté, je me suis senti encore plus à l'aise aujourd'hui. Bon, d'une manière générale, depuis ton arrivée au MHSC, t'as récupéré de ta blessure, tu es rentré en fin de saison dernière, tu prends tes marques un peu cette année, comment ça se passe pour toi? Ouais, grâce à Dieu, je suis revenu d'une longue blessure et voilà, le MHSC m'a permis de pouvoir me relancer après cette longue blessure. Donc maintenant, je me sens bien là dans l'équipe, je me sens bien dans la ville. Donc voilà, quand tu te sens bien, c'est sûr que les belles performances arriveront. Donc on continue de travailler pour que voilà, on retrouve la meilleure forme possible. Ce championnat de France que tu découvres, est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, je pense que c'est plus tactique. Et voilà, quand un championnat est tactique, il faut beaucoup réfléchir. Donc, et aussi, c'est beaucoup technique. Après, voilà, le football, il est universel. Donc, c'est le même ballon, c'est le ballon que tout le monde joue. Après, il faut montrer ses qualités, il faut essayer de progresser. Et je pense que c'est ça que je suis en train de faire. Et cela va m'aider pour le futur.